Salut tout le monde, on se trouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4, notre série avec les Ottomans à la recherche des mille et une provinces. Je m'étais rassemblé pour lutter contre eux, mais on sera pas suffisamment nombreux, sauf si cette armée s'y met. Ce qu'on va faire. Ils sont en train de reculer d'ailleurs. J'ai peut-être compris qu'il fallait se méfier. On va prendre la tech. Ah, c'est chouette qu'on ait le fort de Trébizond avec nous. Ne revendiquons pas les provinces de nos dépendances. Fin du siège de Crimée. Bataille navale gagnée grâce à mon grand nombre de galères, peut-être. Un petit coup de repas. Et après. On ira s'occuper d'eux. Voilà, là c'est. On n'ose pas trop s'attaquer l'un l'autre. Je pourrais les attaquer, je pense que je suis plus fort qu'eux. C'est des montagnes, c'est pas très intéressant d'attaquer en fait. Voilà, bon, je pense que la Grande Horde a compris qu'elle avait perdu. C'est pas encore le cas. Il serait temps qu'elle comprenne. La Hollande est en guerre contre Venise. Quelle guerre probable les a rapprochés? La France attaque la Bourgogne, à mon avis. Attaquant face à la Bourgogne dans la conquête française. J'ai gagné mon pari. Autre solution, on contourne à moitié et on va attaquer le fort. Parce que là, c'est nous qui serons en montagne. Changement de plan, on attend qu'ils s'éloignent et on attaque ici. On a le malus, mais ils sont pas aussi nombreux qu'ils auraient dû. Sacrifiant de la réforme. Poursuivons. Je sais plus du tout où sont mes quelques. Ici, mes quelques unités d'artillerie. Voilà, bon, je pense qu'ils ont compris que c'était fini pour eux. J'aimerais bien, idéalement, recevoir tout ça. Ça met la Grande Horde dans la cohue, mais. Est-ce qu'on s'en fiche pas un peu après tout? Moi je dis, on s'en fiche. Juste petit détail logistique. Cette province-là, j'aimerais l'avoir pour moi. Pour mon vassal plutôt. Que pour moi justement. Oh, ça se bat ici. Voilà, bon là ils ont complètement perdu. On va aller se positionner dans les territoires que je reçois. Recevrai bientôt, disons. Alors, Samke, c'est toujours de l'orthodoxe. Pourquoi pas Samke? Ça coûte moins. Ah, ça coûte autant. Est-ce qu'en expansion agressive, réclamer la province qui rentre à Samke? Goury à Samke? Ah, voilà. 77, je me demande si jamais on n'était pas à moi en prenant les provinces en. En effet. Ce qui nous importe, c'est l'expansion agressive. Plus quelques sous. Gênes, les Mamelouks vont prendre pas mal, la Moldavie aussi. Surtout la Grande Horde. Tant pis pour eux. On va remettre Venise en rival. J'aurais pu demander beaucoup d'or sinon. Tout légitimé, on a des rebelles immérés. Tiens, dans le coin, Venise n'est plus un rival valable. J'ai bien fait de les mettre, ça fait des points gratuits. Et maintenant, je peux mettre Castille, France, France ou Autriche. On va mettre l'Autriche.
Là, j'ai l'impression d'avoir récupéré la Crimée. Et bien unifier mon territoire. On va pas fâcher les oulémas. Je vais regarder si je pourrais prendre la science bientôt. Pas grave. Prestige de gérer des batailles terrestres, ça m'intéresse pas mal. Qu'effet y aurait des rebelles? C'est où qu'effet? C'est dans ce coin-là. Hein. Ouais. Mais je suis sur place, malheureusement pour eux. On va peut-être virer un des forts là. J'aimerais bien virer celui-là peut-être. J'en ai forcément un sur ma capitale en fait. Ou alors je vire celui-là et ouais, on va virer celui-là. Il y a peu de chances que je me retrouve tellement assiégé qu'ils arrivent sur ce côté-là et que je sois obligé de me replier de ce côté-là. De l'autre côté, en revanche, c'est possible que la Hongrie et la Serbie viennent me siéger jusqu'à ma capitale. J'ai encore des pertes de sous qu'on va limiter comme ça. Le Karakoyunlu, je l'aime bien, mais disons qu'il a des provinces qui m'intéressent et qui me laissent même pas de petit passage, sauf si je tape à nouveau la Grande Horde et que je prends le nord du Caucase. Je devais faire la guerre à Albanie. Je sais pas trop comment faire. Peut-être que si j'ai Mali à la Castille. J'ai une place d'allié, ouais. Ils sont pas très éloignés de bien vouloir s'allier avec moi. Si j'ai Mali à la Castille, ils auront probablement moins envie de soutenir l'Albanie. Autre idée, j'attaque les hospitaliers et je reprends les provinces quand même. Trêve avec Venise, ça s'arrête quand? 88, expansion agressive. 46, c'est comme je l'avais prédit. Ils sont pas assez hauts en expansion agressive pour pouvoir entrer dans la coalition contre moi. Contrairement aux Mamelouks, à la Grande Horde, à la Lituanie qui est vassale longue, je ne m'en soucie pas. Pologne en plus, comme il y a la Moldavie libérée, est encore plus loin de moi et elle prend moins d'expansion agressive. Karakoyunlu, il a pris quasiment zéro, probablement que c'est parce qu'on est alliés. Samtse aussi, probablement parce que je lui ai donné beaucoup de provinces dans les provinces que j'ai prises, donc ça compte pas comme expansion agressive pour lui, j'imagine. Ce serait bizarre sinon. Je suis content d'avoir repris quasiment toutes mes provinces par ici, il m'en reste encore pas mal, surtout sur la côte, il en reste beaucoup à Venise. Sinon, je pourrais attaquer la Serbie, garantie par Venise, et allier avec la Bosnie, contirer une mine d'or au Kosovo. Milan est en guerre contre beaucoup de monde. Je pense qu'il va perdre assez large. Attaquant face à Mantoue dans la conquête Ferrarese de Mantova. Bon, la fin, on perd un point de stabilité et on peut rien y faire. On va le remonter. Manuellement. Je gagne beaucoup de sous quand mes forts et mon armée est au repos. Les territoires sont complètement apaisés ou non, il reste encore du séparatisme et de la surexpansion. Remonter la capacité de siège. Et en plus j'ai vitesse de recouvrement. Hospitalier Moldavie, Venise et Mamelouk. Je pourrais attendre que la surexpansion ait bien disparu avant de m'attaquer à la Serbie. Prochaine cible qui m'a l'air intéressante.
Ça n'a pas tellement d'intérêt en soi que je pousse de ce côté-là, si ce n'est que j'ai des missions à faire. La Castille, qu'est-ce que vous dites? Une alliance, oui, vous voulez bien, d'accord. Je sais pas si ça s'est actualisé, ils sont toujours très partants pour... Tout à fait, ils sont très partants. Ils ont... Ah non, ils ont 4 parce que l'attitude envers les ennemis, ils ont des dettes. Faudrait que je salisse la réputation diplomatique de l'Albanie, ce que je peux pas faire malheureusement, et ça suffirait à contrebalancer. Je peux pas appeler la Castille dans une guerre. Ça m'arrangerait. Je pourrais appeler la Bohème. Ah, je pourrais attaquer Venise direct sinon. Son compétiteur envers Venise et ils les aiment pas. Par contre, j'aurais la France. Même avec la Bohème, je suis pas sûr de faire le poids. Concernant l'Autriche, ils ont énormément de points et toujours la Castille avec eux. Ça m'arrange pas qu'ils soient défenseurs de la foi. Ils viendraient pour n'importe quelle raison. Théodoros catholique, la Castille viendrait. Et Venise aussi, ils sont garantis. Non, ils sont alliés à Albanie et Venise. Bah, le truc, c'est qu'à chaque fois que j'attaque un catholique, tant qu'il n'est pas rival à la Castille, la Castille vient contre moi. Autre option, j'attaque les Mamelouks en fait. Ils ont des alliés. Mais je pense qu'on gagne quand même. Faut des revendications sur eux en revanche. J'ai pas de mission. Toutes les provinces de la région Kurdistan appartiennent à Mamelouk. Ah, c'est au Karakoyunlu. J'aurais pas de mission sur Alep, Syrie, Palestine et tout. Tant que je n'aurais pas rompu mon alliance avec les Karakoyunlu et réclamé ces provinces-là. Ça m'arrange pas, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on les mange direct? Pourquoi pas? On va dire qu'ils vont me servir un peu plus. Est-ce qu'il reste des provinces orthodoxes? Quelques-unes. Me fâcher avec les Karakoyunlu, alors que j'ai encore beaucoup d'expansion agressive partout. Pas forcément une technique géniale. Ah oui, j'ai pris plein de provinces à la Grande Horde, ça m'a rapporté beaucoup de scores. Ça, c'est chouette. Moldavie, sinon. J'ai pas de casus belli, mais à part ça, la Moscovie ne viendrait pas parce qu'ils sont en guerre contre le Danemark, Norvège, Pologne et tout. En vrai, faudrait vraiment que je pousse plus. On va réactiver le fort pour pas que. Leur capture et un impact et activer la maintenance de l'armée. Faudrait vraiment que je pousse plus côté Asie. Donc peut-être que je pourrais faire une guerre contre le Mamelouk et prendre tous ces territoires désertiques jusqu'à Al-Assar. Je peux pas leur proposer la vassalisation. Je peux pas vassaliser un petit état de ce côté-là. Non, pas vraiment. Hormuz, ils sont probablement trop gros. Ah non. Juste on est très loin l'un de l'autre. Bon, on se dirige doucement mais sûrement vers une guerre contre les Mamelouks. Je peux peut-être revendiquer une grosse province et prendre plein de petites dans le traité de paix. Mariage rompu avec Karakoyunlu, on va pas le refaire. Est-ce que si jamais j'attaque les Mamelouks, j'ai pas de diplomate? Va garder une armée, il reste encore des séparatistes. D'ailleurs, il faudrait que je crée certains états. Enfin, je pourrais créer certains états. S'il faut que je les crée. Je suis désolé, on va dire non.
pour améliorer mes relations, pour contrebalancer. Karakoyu viendrait pas parce qu'il en est dette et de la lassitude de guerre. Bon. Peut-être qu'ils viendront plus tard. En tout cas, il faut que je masse mes armées. Non, on va pas le prendre. On dépense suffisamment déjà en conseiller. Je veux pas tenter un niveau 3. On a des bâtiments qui sont quand même assez bien. On va faire quelques mortiers. 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous en fait 10 comme ça. Ils sont tech 7. Nous sommes tech 7. J'ai pris une tech offensive. Faisons de la populace. Faisons marche arrière pour nous en charger. Est-ce qu'on peut avoir un bon général? Je me demande si jamais j'ai un dirigeant majeur. Ouais, 45 ans. Je sais pas pourquoi je le vois pas dans les. Ah, parce qu'il est au pouvoir, d'accord. Il est au. Un truc. Ils ont viré le fort de Trébizond. Ah non, il l'avait désactivé. Ah, ça c'est bête pour eux. On va considérer qu'ils sont capables de refaire le siège de Trébizond tout seuls. Ils ont décidé de les désactiver. Ou alors on leur laisse 3 soldats histoire de. On va leur laisser 3 soldats histoire de. Voilà, mon autre armée, elle avance. Toi, tu mérites un commandant. J'ai créé la Syrie, ouais. C'est des provinces très développées en Syrie. Et à Alep. Ouais, il y a des bonnes provinces de ce côté-là. On aura des séparatistes. Je vois même pas le nom. Ils mettent pas en grand. Bon, c'est dans ce coin-là, quoi. Allons-y. Conquête de la province en très long. Légèrement plus nombreux. Alors toi t'as plein de soldats. Toi voilà. Toi voilà. Et sauf un peut-être. Qui va là. Et toi voilà. Ouais, c'est un peu avancé. Trop loin peut-être. Le temps qu'ils arrivent, j'ai peut-être le temps de prendre la province et de me reculer. Perdu mon casus belli contre Gênes. Paire de stabilité, régence. J'ai bien fait l'attaquer en fait. Comme ça, je suis en guerre. Il reste en avance. On va attendre la fin de l'année. Moldavie. Ah, je voulais m'attaquer à la Moldavie sinon. Ils sont toujours alliés seulement à la Moscovie. Moscovie est toujours très impliquée dans sa guerre. Ah, mais je me disais que c'était plus. Ouais, je me souviens maintenant. Je me disais que c'était plus intéressant d'attaquer de ce côté-là. Histoire d'avancer dans mon objectif d'avoir la route de la soie. J'ai pris un pays qui est certes très gros, mais certes très excentré par rapport aux conquêtes qu'il faut faire, puisqu'il faut que j'aille jusqu'en Chine. Je vois le temps qui s'écoule, doucement mais sûrement. Et je me dis qu'il faut que j'avance quand même. J'ai perdu un général. Il a de la force de siège celui-là? Non. Et celui-là non plus. Ah bah voilà. On va reprendre notre point de stabilité perdu. Et après, Dieu est bon. Comme ça, on est à plus 2. Éthiopie, guerre civile. Pas très grosse l'Éthiopie. Parfois, elle est plus grosse, disons plutôt. La province de Krim qui veut se rebeller. Et après, on aura complètement apaisé cette région. Ah, du siège de Trébizond. Ah ouais, c'est nous qui faisions le siège.
tombent un par un. Je sais pas pourquoi c'est beaucoup plus facile que les autres. Niveau développement, orthodoxe moins 1. Ah, les catholiques, j'ai pas de malus à les convertir? Est-ce que catholique et sunnite c'est plus proche ou. Chiite moins 2. Orthodoxe moins 1. Catholique, rien du tout. On a des soldats qui commencent à reprendre derrière moi. Maintenant que j'ai plus un juste une ligne de front. Faire attention. Oh, là, je le vois bien venir. Surtout s'il reste au même endroit. Hop, on attaque. Hop, ça fait mal de se faire wipe comme ça. On va laisser 12 000 hommes par là. J'ai déjà un très bon score. Probablement suffisamment pour réclamer la côte. Non, pas encore. J'ai la côte, mais c'est pas vraiment la côte. La côte du désert, si je peux dire. Tombe sur les 7 000. Piqué pour eux. Ah, ils sont nombreux. Oh, ils sont très nombreux dans le coin. Ça arrive petit paquet, pas petit paquet. J'ai un moins 2 par contre. Ça m'a coûté cher, ça leur a coûté plus cher. Et 5 000 hommes qui arrivent. Par contre, les 5 000 hommes, c'était trop tard, hein, clairement. Révolution agricole à Bozok. Montons les valeurs militaires. J'ai un peu séparé mes forces. Pas prudent pour le siège. Mais. En même temps, celui-là, il est un peu tout seul. Et puis, ça me permet de tomber sur des occasions comme ça. Où je croise des armées deux fois moins nombreuses. Tabouk est tombé. La bataille est gagnée. Ils se rendent. Expansion agressive. Un peu plus sur la Moldavie. Un peu plus sur Jeanne, un peu plus sur la Grande Horde, mais des Boupouyem. Et je peux réclamer des territoires jusqu'à l'achat, ce qui était l'objectif premier. C'est vrai qu'ils ont. C'est quand même un gros pays, donc ils peuvent me payer pas mal. Hop, c'était une guerre assez facile. Plus que ce que j'imaginais de prime abord. J'étais pas en guerre contre Alachar là à l'instant, ça se trouve aussi. Parce que j'ai une trêve contre eux. Non. Ils sont alliés aux Timurides, c'est gros. En même temps, si je les conquis, je peux aller prendre cette province là. Et de toute façon, il va falloir que j'affronte les Timurides un jour ou l'autre. Donc on va constituer un réseau d'espionnage, les Mamelouks. Cette province là, Chypre revendique, d'accord. Chypre, c'est des vrais ingrats, ils sont protégés par les Mamelouks depuis une éternité et ils revendiquent des territoires Mamelouks. On va remettre le focus comme ça. Ah, mon dirigeant est moins bien. J'ai pas l'habitude d'avoir des dirigeants médiocres. Ah, c'est le conseil de régence qui est pas très bon. Oui, Ajam peut passer chez moi. Ça, c'est un signe que j'ai beaucoup avancé d'un côté. L'heure est aux économies. Je vais faire moi-même les préparatifs de guerre les prochains. Attendez, on va faire ça là d'abord.
Et celle-là, j'essaye de faire seul quand le meilleur ratio. Le meilleur ratio point dépensé versus surexpansion pour réduire le plus vite possible la surexpansion au plus bas possible. J'aurais pu attendre un peu avant de déclarer la fin de la guerre à cet objectif-là, mais bon. Ah, la Grande Horde a pris des territoires. Ça m'arrange que la Grande Horde reste puissante pour pas que la Moscovie la mange trop. D'ailleurs, la Moscovie a mangé des territoires lituaniens. Elle veut bien être mon alliée, la Moscovie. Mais ça m'intéresse pas trop. En même temps, j'ai bien fait de pas attendre pour déclarer la guerre, même si j'avais pas beaucoup de points. Parce que sinon, le conseil de régence serait tombé trop tôt. Et j'aurais eu une paix imposée après une longue période d'attente avant de reprendre la guerre. Donc ça aurait fait une double longue période. Période doublement longue, c'est pas ce que je voulais. Serbie a pris la Renaissance. Est-ce qu'on peut améliorer nos relations avec la Serbie? Attends, la Renaissance, oui, c'est une institution que j'ai pris il y a longtemps. Donc en fait, on s'intéresse peu à nos relations avec la Serbie. Ils ont du retard. Et c'est en partie grâce à moi, peut-être pas. Non, c'est probablement les Génois ou la Bosnie, les Venise ou la Bosnie ou l'Albanie qui leur a fait ça. J'ai pas attaqué l'Albanie. Attends, je vais perdre les revendications. C'est triste pour moi. Mais en même temps, je peux pas les attaquer. Et j'ai pas eu de super occasions parce qu'ils étaient toujours dépendants, protégés par Venise. Et quand Venise me paraissait suffisamment petit, il y avait la Castille pour être là. Est-ce qu'on crée cet état? C'est des sunnites. Le Yémen est en guerre face au Mamelouk. Probablement défenseur, je dirais, mais peut-être attaquant. Attaquant face à Yémen dans la conquête adanaise. Non, c'est Aden qui attaque le Yémen en comptant sur son allié Mamelouk, clairement. Prenons Katif. Devenir mes vassaux, ça vous tente. Le problème, c'est que j'ai apparemment trop de relations. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'on dissout l'alliance avec le Karakoyunlu? Ils ont pas de bons alliés. On va dissoudre l'alliance. J'ai probablement deux revendications là-dessus. Gagné. Commencer à annexer le Samke, on verra. Bon, en tout cas, on va améliorer nos relations avec eux. Et s'en faire un petit vassal gratuit. J'ai perdu du prestige. C'est plus fiable d'avoir des revendications permanentes sur des territoires qui m'intéressent moyennement ou qui sont difficiles à prendre parce que les provinces légitimes, elles partent au bout de beaucoup d'années. Mais elles partent quand même. On va les annexer. J'ai de quoi faire beaucoup de revendications sur la Grande Horde. Les petits états ont à peu près disparu dans cette région du globe. Il reste Shirvan qui est vassal, il reste Mandrezan qui est indépendant et allié à Karakoyunlu. C'est pas grand monde. Ça va être l'heure de s'arrêter, en effet. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien.